Du mot consulting group, je l'ai fait intervenir deux fois. La deuxième fois, c'était d'arriver à rétablir une certaine confiance dans la relation qu'on avait entre SNCF et le fournisseur, après avoir vécu des aléas très, très, très importants dans une relation qui était avec tendance à se déliter. Il a, de façon assez extraordinaire et grâce à son talent, je dirais coluchien, restitué la relation dans une one-man show dans laquelle il a restitué tout le non-dit de la relation. À un moment donné, SNCF qui riait de certaines vannes, le fournisseur qui riait d'autres, et puis quelquefois l'ensemble des deux qui riaient de ce qui venait d'être sorti. Ben voilà, ça s'est communiqué. Ça a été un plaisir partagé. Tous les non-dits sont prononcés. Donc à la fin, il n'y a plus de non-dits entre nous, quoi, puisque tout a été dit par l'humoriste. Ce qui fait que finalement, on n'a plus grand-chose à se reprocher puisque tout a été dit. Et donc on peut commencer à reconstruire une relation saine, puisque chacun s'est dit, à travers ce qu'il a dit, chacun s'est dit ce qu'il avait envie de dire et qu'il n'osait pas dire depuis longtemps. L'effet perdure encore aujourd'hui. On a régulièrement des comités stratégiques avec ce fournisseur. Et voilà, petit à petit, on entre dans une relation de confiance bien structurée. Il faut ne pas hésiter à utiliser aussi la thématique de l'humour pour régler des problèmes organisationnels ou des problèmes de conflictuels au sein de l'entreprise. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de ça, de déclencher le rire. C'est pour ça il faut faire appel à Humour Consulting Group, parce qu'il faut quelqu'un qui ait le talent et la capacité à déclencher le rire chez les autres. Tout le monde ne s'improvise pas humoriste.